Oui, je le redis et je le redirai à part pour aller en France. Voilà. Si je suis avec mes enfants, je voyage en éco. Mes enfants n'iront pas en business à 2 ans, en 4 ans, sauf là aujourd'hui parce qu'on n'a pas eu le choix. Et je vous expliquerai pourquoi. Que là, on n'a pas eu le choix, en gros, parce que en fait, j'avais déjà des billets business, que ma mère devait venir rentrer avec nous, la nanny, finalement, on a décalé tous les billets, bref, et que du coup, ils ne me remboursent pas l'argent. Donc moi, je ne pouvais pas aller en éco avec eux. Donc, vu qu'ils ne me remboursaient pas l'argent, les enfants ont dû venir en business, bref. Mais sinon, c'est mort. Sinon, c'est mort. Si je ne vais pas jeter de l'argent par la fenêtre, et même demain, je gagne 15 fois plus. Mais 15 fois plus. Ma fille de 2 ans, ah, ce petit bout de chou là, a rien à faire dans un siège business pour tous ces voyages. Déjà, c'est pas la valeur que je vais leur donner. Et en plus de ça, je jette pas mon argent par la fenêtre. Et que j'estime que moi, à leur âge, je voyage en éco, j'étais très bien. Quand t'es plus grand, ok, c'est confort d'être dans un siège business. Mais quand tu fais cette taille-là, c'est quoi la différence? Les films, c'est les mêmes dans les écrans. Le repas, dans tous les cas, ils préfèrent le repas enfant de l'éco que les trucs business, foie gras, trucs machin. Donc voilà, là aujourd'hui,